film. Crevette au kid. Qui a dit. Bon alors, la crevette. La crevette, hein, c'est pas la. C'est pas de la bonne crevette, ça. Hein, regardez cette couleur. Cette couleur tigrée là. C'est une crevette, elle s'est battue avec un lion, celle-là, elle a perdu. Hein. Mais quelle est la différence entre une bonne crevette et une mauvaise crevette? Ah là là. On fait un film là, voir. Hein. La crevette, pour bien la manger, hein, c'est un peu comme une. Enfin, vous m'avez compris, hein, il faut pas trop de poils. Donc, il faut enlever les poils. Donc, on coupe les poils délicatement pour pas en avoir dans les dents au moment où on va manger. Hein. On va donc, faire alors. Pas le droit. Interville, la crevette, elle doit faire un parcours. Le parcours, elle passe dans l'œuf, recto verso, dans la farine, recto verso, et hop, dans le plat. Tombeau. Ah, les gambas, mes amis, les gambas. À quoi on va vous cramer aujourd'hui hein? Petit Jack Daniel, petit Glenfiddich de 12, Glenville de 18, 18 c'est majeur, moi je préfère le 15, 15 c'est meilleur quand c'est mineur. Santé ma puce. Les gambas enfarinés, on les met pas trop, hein. On va faire un premier jet pour les griller, les frire, hein. Alors on va mettre peut-être pas sur plein, on baisse, on va tous mourir là. Et tu vois comment ça dort ça. Regarde-moi ça, comment ça va être bon, ça c'est gris, ça c'est pas de la crevette de. On dit pas de gros mots ici dans ma cuisine. Viens, je suis bien. Mais t'en es quoi? Attends, alors, après quelques efforts, le réconfort, voilà ce que c'est, une belle gamba. Souvenez-vous, elle était jeune, mineure, toute fraîche, et maintenant elle est ouverte, on peut lui sucer la tête, lui bouffer la queue. Alors c'est bon, bon, on se lèche le doigt. On et si on veut manger à la chinoise, on met la tête dans la bouche, on croque. Non, il a seconde méthode, le flambage. Pas trop, hein, parce que faut regarder pour demain. C'est pas Cyril. Ok, trouver du whisky pour Cyril. Ah, voilà, attention, on va dire, le feu, ça brûle. Et t'as rien mis dessus. Je vérifie le matériel. Ouais. On va essayer de pas cramer la hotte. Attention. Normalement, tu te chauffes. Alors c'est bon, bon, on se lèche le doigt. Une saveur à bah, coller une érection, pas plus. Alors, ces gambas à l'alio, une tuerie. Alors, les gambas, comme ça, au miel, flambé au whisky, c'est à se taper la coquille contre la table, hein.